Eccola, si sta connettendo. La vedi? Alzate la mano. Ok. Connesso. Buonissimo. Les doy la bienvenida Je al voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce dialogue avec les femmes pour nous préparer à l'Assemblée synodale du mois d'octobre. Un très grand merci d'être là à vous toutes et tous. Si jamais vous avez des problèmes techniques, vous pouvez sortir et rentrer en utilisant le même lien. Et maintenant, on va prier ensemble. C'est une prière ancienne de l'Église qui a été utilisée aussi à l'occasion de Vatican II et que la communauté de Thésée a mise en musique pour pouvoir prier à l'occasion du prochain synode au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Maria, Madre de la Iglesia, Marie, Mère de l'Église, prie pour nous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais passer la parole maintenant à la présidente de l'UMOFC, Monica Santamarina. Mais elle devrait brancher son micro, on ne l'entend pas. Bien, bon après-midi, bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Il ne fait aucun doute que les choses ont beaucoup changé depuis 2015, lorsque le pape François annonçait que le cheminement de la synodalité est le cheminement que Dieu s'attendait de l'Église pour ce nouveau millénaire. Ces rencontres font partie de ce chemin. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons entrepris ce chemin tous et toutes ensemble. Donc, je voudrais remercier tous qui ont rendu cela possible. Donc, je voudrais remercier les intervenants. Et je voudrais remercier Nathalie Bécard pour cette et pour avoir motivé par son témoignage, la participation des femmes au sein de l'Église. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir là. Merci, sœur Nathalie. Merci. Gracias a todas y todos los que hoy nos acompañan en este diálogo con mujeres del Sínodo. Bien, pues Merci à hablemos toutes celles et ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Bien. On va parler juste quelques instants de notre organisation. Comme bon nombre d'entre vous le savent, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques est une association qui réunit presque 100 organisations et fédérations de femmes catholiques. Donc, il faut attendre un petit instant.
On va voir si on est capable d'enlever la musique. Donc, l'UMOFC est une organisation réunissant presque 100 organisations et fédérations catholiques de femmes ou mixtes, associations mixtes dans le monde entier, représentées par les femmes à l'échelon international. Notre mission consiste à promouvoir la présence, la participation, la co-responsabilité des femmes catholiques dans la société et dans le monde, et pour travailler pour l'évangélisation et le développement humain intégral. Aujourd'hui, il y a plus de 8 millions de femmes et nous sommes présentes en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et Caraïbes et en Amérique du Nord, dans presque 60 pays. Quelques mots sur l'Observatoire mondial des femmes sous le slogan « D'écouter pour transformer des vies ». Cet observatoire a pour but de rendre visibles les femmes et notamment les plus vulnérables qui sont en général invisibles pour inspirer et engendrer des stratégies du changement favorisant donc le développement humain intégral des femmes, de leur famille, de leur communauté. Parmi nos projets, nous avons l'Observatoire a été lancé en 2021 par deux projets en Amérique latine et Caraïbes, un projet mondial sur la synodalité des femmes qui est encore en cours, un projet très important en Afrique qui est encore en cours. Et maintenant, quelques mots sur le projet qui nous voit réunis aujourd'hui, c'est-à-dire le projet sur la synodalité selon les femmes responsables du processus synodal, les contributions et les défis. Dans ce projet, nous avons disséminé les résultats. Nous préparons, et c'est pour ça que nous avons organisé ces webinaires, pour nous préparer à l'Assemblée en dialogue avec les femmes du Synode. Donc, il y aura tout un cycle de rencontres pour accompagner toutes les participantes au Synode et continuer notre réflexion, notre prière, nos témoignages. Alors, donc, nous allons démarrer. Merci, chère Monica, merci. Et je voudrais passer la parole à Sœur Nathalie Becker, sous-secrétaire de la Secrétaire générale du Synode des Évêques. Merci, un très grand merci, Monica, merci à Lia, merci de cette initiative, et pas seulement pour cette initiative, mais merci de tout ce que vous avez fait dès le début pour impliquer les femmes dans le processus synodal. Il est très, très beau d'être réunis aujourd'hui avec toutes ces intervenantes, des personnes qui ont sans doute contribué et de beaucoup à la préparation du synode. Maintenant, je voudrais partager un PowerPoint, et donc je vais faire référence. Alors, si vous montrez le PowerPoint, alors voyons si je peux partager mon écran. Alors, je voudrais rappeler à tout le monde ici présent que maintenant nous nous concentrons sur l'Assemblée du mois d'octobre, mais il faut toujours tenir compte du fait que ce qui va se passer au mois d'octobre, ce n'est qu'un pas en avant dans le cadre de tout un processus beaucoup plus long, qui est un processus circulaire. À partir du 9 octobre jusqu'au 21 octobre, le synode sera ouvert à tout le monde, y compris les femmes. Donc, pas seulement celles qui vont participer à l'Assemblée en tant que partie prenante du processus, mais vraiment, ce sera ouvert à vous toutes. Donc, il faut justement avoir sous les yeux ce guide pour participer. Et donc, ces webinaires sont de toute première importance pour nous préparer. Alors, pour vous donner une idée de ce qui va se passer lors de la session du mois d'octobre, la première session.
de deux sessions. Les femmes ont été impliquées dès le début. Elles ont participé à des commissions, à des équipes synodales. On leur a attribué des rôles. Mais lors de l'Assemblée, il y aura aussi bon nombre de femmes qui vont participer à l'Assemblée. Nous avons des femmes qui sont membres ayant droit de vote, 2 en qualité de président délégué et 42 en leur capacité de membre non-évêque représentant les 6 continents. 6 femmes ont été nommées directement par le pape François, l'une ex officio, moi-même, en vertu de mon rôle ici dans le cadre de l'Observatoire, et ensuite 5 religieuses qui sont déléguées de WISG, 21 femmes en tant qu'expertes et facilitatrices. Et dans le processus, 3 seront des invités spéciales, 3 des délégués fraternels et 7 vont faire partie de l'équipe de la communication et 6 vont participer à la secrétaire générale du synode. Il y aura ensuite des femmes impliquées en leur qualité de volontaire et d'assistante. Donc, en plus des évêques, nous aurons un nombre important de femmes qui vont participer aux travaux et à ce processus. Comme je le disais, ce processus va se poursuivre au fil du temps. Donc, on commence par l'instrumentum laboris qui représente le fruit du processus dès le début. Donc, on part de l'écoute, du discernement. Ce document de travail est disponible, donc vous pouvez le lire, le télécharger, l'imprimer. C'est le résultat, le fruit d'un effort de collaboration avec la participation et l'implication des femmes. Alors, ce document a été rédigé justement sur la base des contributions qui ont été offertes par les 7 différentes organisations continentales. Ce document, l'Instrumentum Laboris, va structurer, donc va donner une structure pour le processus qui sera suivi lors de l'Assemblée. Il s'agit également d'un document qui va appuyer le parcours synodal, le cheminement synodal qui sera poursuivi au fil du temps dans les différents côtés du monde. Donc, tout le monde sera impliqué, les évêques, les prêtres, les femmes, les diacres, les religieux et religieuses, donc tout genre de personnes au sein de l'Église. La synodalité est notre propre responsabilité et donc notre responsabilité consiste à participer en tant que protagoniste. Donc, chacun et chacune d'entre nous peut faire quelque chose pour continuer à appuyer ce processus synodal au niveau local. Ce document va aider, va être très aidant. Ce sera le document de travail de la deuxième étape de l'Assemblée. Le texte est constitué, se compose de 2 parties. Une première partie qui a pour but d'exprimer ce qu'on a compris en matière de synodalité à ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être une église synodale sur la base de notre expérience à la lumière justement de ce processus dans lequel on apprend en faisant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette église, une église accueillante, une église de frères, de sœurs dans le Christ qui collabore, coopère ensemble. La deuxième partie, section tout aussi importante et intéressante, tourne autour de 3 priorités et pour chacune de ces priorités, nous avons 5 sous-points. Le travail de l'Assemblée, comme vous pouvez le voir, va démarrer par une prière. La prière œcuménique, donc il y aura 3 jours de retraite spirituelle pour tous les participants. Donc c'est la première fois que cette étape sera poursuivie par 2 voix, un dominicain anglais et une moniale italienne bénédictine. Donc il y aura 2 fois la foi
deux voix, la voix d'un homme et la voix d'une femme qui vont guider cette retraite spirituelle qui va jeter les jalons pour nous préparer à l'étape de l'écoute. Il y a ensuite quatre segments. Et chaque segment va concerner une partie de l'instrumentum laboris. Donc, pour chaque segment, il y aura une projection en diffusion, live streaming, donc diffusion directe. Donc, ce sera possible de suivre les rencontres en diffusion directe, toutes les rencontres sur ces quatre segments. Et à la fin de tout cela, un document sera préparé. Ce n'est pas un document de conclusion, mais un deuxième instrumentum laboris à rendre aux églises pour poursuivre le processus l'année prochaine. Donc, au niveau local, le travail sera poursuivi et ce processus va se poursuivre. Je voudrais souligner le fait qu'il y a trois priorités majeures. Donc, la co-responsabilité dans la mission, la participation à la gouvernance et l'autorité. Et troisième priorité, malheureusement, on ne l'a plus à l'écran. Donc, à partir de la co-responsabilité dans la mission, la grande question qui se pose étant comment peut-on mieux partager les dons et les tâches au service de l'Évangile pour rendre un meilleur service à l'Évangile. Donc, c'est la question qui a été tirée et qui va guider les travaux des groupes de réflexion et servira de base du dialogue et des débats au sein de l'Assemblée. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous pour lancer notre webinaire dans le but justement de jeter les jalons. Et donc, il faut se préparer à entreprendre, à emprunter ce cheminant tous et toutes ensemble, chacun et chacune à sa manière. À vous la parole. Un très grand merci, sœur Nathalie. Merci d'être une femme qui ouvre toujours des portes, les portes non seulement aux femmes, mais à tous les membres du peuple du Seigneur au sein de notre Église. Maintenant, nous allons voir quelques résultats de l'observatoire. Alors, je vais indiquer les résultats les plus importants de ce projet synodalité et femmes, co-responsables du processus synodal, contributions et défis. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, 459 sœurs, femmes ont participé, co-responsables du processus synodal au niveau diocésain, national et ou continental dans les sept régions dans lesquelles on a réparti le monde. Donc, le rapport préliminaire a été donné à la secrétaire et le rapport final est disponible sur notre page web. Vous avez l'adresse à l'écran de notre page web de l'Observatoire. Alors, voyons maintenant quelques mots sur les questions. Le sondage contenait des questions sur comment ce processus a été vécu, comment améliorer le reste de ce processus et des propositions pour améliorer le leadership des femmes au sein de l'Église. Voyons maintenant quelques-unes des questions les plus importantes. On ne peut pas les analyser toutes. La première question a été, donc on a posé la question suivante, si votre opinion a été écoutée pendant les travaux du processus synodal. C'est une surprise de voir que 70% des personnes interrogées ont dit que leur voix avait été écoutée tout au long des travaux du processus synodal. Deuxième question qui est fort liée à la première question. Donc, on a posé la question suivante à ces personnes répondantes. Est-ce que vous avez ressenti une implication véritable dans le processus synodal? Le résultat a été encore plus important. Le nombre de femmes qui dit qu'elles ont été impliquées dans le processus de prise de décision a été important. Donc, si nous considérons cela, compte tenu de cela, nous avons mené plusieurs études en 2022, nous avons interviewé
des milliers de femmes, et 46% de ces femmes nous disaient qu'elles ne se sentaient pas trop prises en compte, elles se sentaient ignorées, discriminées. Et aussi, la plupart des 10 000 femmes que nous avons interviewées dans les 36 pays d'Afrique avant le processus synodal, et la plupart d'entre elles disaient qu'elles se sentaient victimes de discrimination au sein de l'Église sans être prises en compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce processus synodal pour les femmes qui ont participé leur a permis d'arriver à la conclusion suivante. Donc, voici une première conclusion. Ce processus novateur suivi aux différentes étapes du synode a facilité l'écoute des femmes et leur participation effective au processus synodal lui-même et dans la prise de décision. Alors, cela a été une réussite énorme, extraordinaire. Bien sûr, il n'y a pas eu seulement des réussites, mais aussi des obstacles. Quels sont les obstacles? 67% des femmes ont dit qu'elles ont se sont heurtées à des entraves. Quels ont été ces obstacles? Les réponses ne sont pas surprenantes. 63% ont dit que l'obstacle ont été les ministres ordonnés, mais 27% des femmes ont trouvé des obstacles chez d'autres membres de la communauté, et 10% ont dit que le problème était de devoir parler devant, en présence de la hiérarchie ecclésiastique, et donc elle n'était pas préparée pour parler devant la hiérarchie de l'Église. Venons-en à la diapositive suivante. Quels ont été les défis majeurs de ce processus synodal? Tout d'abord, le besoin de rendre visibles les femmes et de surmonter, dépasser le cléricalisme, manque de participation égalitaire active de la part des femmes, pour qu'elles soient écoutées et prises en compte. Et finalement, les femmes ne participent pas suffisamment au processus de prise de décision. Venons-en ici. Nous voyons quelque chose qui me semble être fort intéressant, quelques défis spécifiques relevés dans certaines régions au Moyen-Orient et en Asie. On a parlé de beaucoup du manque d'ouverture et à la participation des femmes dans des sociétés qui sont encore fort dominées par les hommes. Les femmes de l'Afrique ont partagé leur peur, leur crainte de partager leur point de vue à cause de manque de confiance et d'estime de soi liée à une mentalité et culture machiste. Les femmes de l'Amérique du Nord ont dit clairement de leur crainte et des résistances de la part du clergé au processus synodal et au changement dans les institutions de l'Église. Les femmes en Europe ont souligné le manque de formation théologique chez les laïcs en général et chez les femmes, en particulier les femmes d'Amérique latine et des Caraïbes, soulignent constamment le besoin de surmonter le cléricalisme et rendre visibles les femmes, leur permettant de prendre la parole, de se prononcer. Alors, voici quelques-uns des grands défis, des défis majeurs. Je vais poursuivre, elle dit. Les propositions les plus saillantes. Qu'est-ce que les femmes demandent-elles? Plus de formation théologique et synodale pour les laïcs, pour les consacrés hommes et femmes, surtout pour les femmes consacrées, créer des canaux systématiques pour la participation des femmes au sein de l'Église. Elles demandent l'inclusion de femmes qualifiées dans les équipes de formation au sein des séminaires. Donc, c'est une surprise et un accès plus important des femmes aux postes de responsabilité où les décisions sont prises au sein de l'Église. Ensuite, la prédication et le diaconat des femmes, surtout en Amérique du Nord et en Europe, droit de vote aux femmes à l'étape finale du synode, une inclusion plus importante au sein de l'Église des groupes les plus marginalisés,
cela est souligné à maintes reprises, la possibilité de former tout le monde aux méthodes synodales, à commencer par les évêques, les prêtres, les laïcs, enfin tout le monde, et donner aux femmes plus de chances de formation. Venons-en maintenant à un autre succès auquel on ne s'entendait pas et dont nous sommes fort contentes. Sœur Nathalie l'a déjà dit, ce mars 2023, seule une femme semblait qu'elle participerait par vote avec à la prochaine assemblée synodale. Après toutes les voix qui se sont levées pour la première fois, 54 femmes auront droit de vote à l'assemblée, en plus des femmes qui vont participer en facilitatrice et dans d'autres qualités, comme la sœur Nathalie nous vient de l'expliquer. Bien sûr, il y a bon nombre de défis à relever, mais aussi les pas qui ont été franchis. Donc, l'enthousiasme, l'amour, la passion pour une église synodale, tout cela est très important. Au niveau de l'Observatoire, nous avons partagé cet enthousiasme, cette passion, et nous espérons qu'un des résultats de cette recherche, et grâce à d'autres initiatives, on pourra enrichir le cheminement pour une église synodale. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui te remercions, Monica. Merci. Merci beaucoup de ce résumé du travail. Alors, vous pouvez voir sur le chat notre page, notre site web où vous allez retrouver les fruits et les résultats de ce travail. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir donc, elle a reçu son doctorat de l'Université de Philadelphie. Donc, elle a présenté une thèse qui s'intitule « Dialogue fearlessly », ne pas avoir peur du dialogue. Donc, Julia, tu as la parole. Bienvenue. Merci. Merci, Lia. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à l'Observatoire et à l'UMOFC de cette invitation. Merci. Et merci à toutes celles et ceux qui travaillent derrière les coulisses et qui rendent possible un événement tel que celui-là. Donc, un très grand merci. On m'a demandé d'approfondir deux points. Je n'ai pas suivi pas à pas les instructions. Je voudrais surtout explorer deux mots qui figurent à maintes reprises dans l'Instrumentum Laboris. Il est intéressant de remarquer que la plupart des références se trouvent dans la section caractéristiques d'une église synodale. Dans mon travail de direction du Synode aux États-Unis et de collaboration avec mes amis canadiens, j'ai découvert que ces deux mots ont été ignorés, ont rencontré de la résistance. Et cela pose les questions mal à l'aise. Donc, ces deux mots étant radical et mystère, et pourtant, ces mots sont essentiels pour notre foi. Une partie de la nature contre-culturelle du christianisme est la radicalité pour incarner les vertus, le pardon, la réconciliation, la dignité de la personne humaine, la réconciliation, l'amour et tout ça. Dans le contexte des États-Unis, en particulier, la doctrine sociale de l'Église s'écarte radicalement des clivages politiques partisans et cela conduit souvent à devoir choisir entre les principes de la doctrine sociale de l'Église catholique avec lesquels on est plus fortement aligné, ce qui contribue à la polarisation. Donc, c'est notre expérience aux États-Unis. La doctrine sociale de l'Église catholique nous appelle à une action radicale dans la mesure où il s'agit d'un changement significatif par rapport aux normes culturelles, entre guillemets. Dans la synthèse nationale américaine, citant la synthèse de la région 16, le mécanisme créé pour permettre à d'autres organisations de faire des propositions à l'équipe du Synode américain,
Il est déclaré, je cite, « L'Église doit aider les paroissiens à comprendre le lien entre la doctrine sociale de l'Église et l'engagement au-delà des frontières de la paroisse ». Fin de citation. Et elle souhaite que la formation l'aide à se faire, à faire cela. Le paragraphe 26 utilise le mot radical trois fois au numéro 26. Il commence par l'appel radical à la conversion, parle de la nature radicale du christianisme et termine en exprimant que la paix radicale est donc de construire ensemble synodalement une église attrayante et concrète, une église ouverte dans laquelle tous et toutes sont les bienvenus. Donc, radical. Donc, ma question devient, donc, comment un processus de formation pourrait aider les catholiques à incarner la nature radicale du christianisme qui les aide à calmer leur anxiété pour bouger dans notre appel radical? Quelles seront les tensions qui vont surgir lorsque ce processus de formation va être mis sur pied et on en fera l'expérience? Lorsque, donc, je pense que l'exploration du mystère nous permet de répondre à cette question. Le mystère comme le mystère divin, et qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que catholiques, surtout lorsque le centre de notre rituel partagé et de notre communion et le mystère dont nous faisons l'expérience dans la liturgie. Le catéchisme affirme que nos paroles humaines sont toujours en deçà du mystère de Dieu, même si nous pouvons vraiment nommer Dieu à partir de la perfection multiple de ces créatures qui sont des ressemblances du Dieu infiniment parfait, même si notre langage limité ne peut pas épuiser le mystère. Le pape François, avec le synode, a réinvité l'Église à contempler comment l'Esprit Saint agit en écoutant et en dialoguant avec l'Imago Dei dans toute la création et à y prêter attention d'une manière nouvelle, une attention qui soit plus en face avec le mystère de Dieu et le rôle que joue l'Église dans la communication de ce mystère au monde. Nous sommes confrontés à l'inépuisable et saint mystère de Dieu et nous devons rester ouverts à ces surprises alors que nous marchons à travers l'histoire vers le royaume. Et l'Instrumentum Laboris nous donne un aperçu du pourquoi de l'entrée dans le mystère. Pour inclure authentiquement tout le monde, nous lisons dans le paragraphe numéro 27, « Il faut rentrer dans le mystère du Christ en nous laissant former, transformer par la manière dont il a vécu la relation entre l'amour et la vérité. » C'est en entrant dans le mystère du Christ et en rencontrant ce mystère ensemble que nous serons soutenus et nourris pour devenir l'Église accueillante et inclusive que nous souhaitons. Et c'est ce qui a été dit dans notre document. Le principal moyen d'y parvenir est la prière. Mais j'ai aussi observé que tout au long de ce processus, je me suis surprise à dire que nous pensons que nous prions suffisamment, mais ce n'est pas le cas. D'une manière particulière, la liturgie nous rapproche du cœur du mystère de Dieu. Une église synodale se nourrit sans cesse à la source du mystère qu'elle célèbre dans la liturgie. La radicalité du christianisme est intimement liée au mystère central de notre foi et de notre pratique. Plus nous nous pencherons sur l'un et l'autre, comme nous y invite Instrumentum Laboris, plus le processus synodal sera fructueux. Plus on se confie à la radicalité, au mystère, plus le processus synodal sera fructueux, comme je le disais. Encore une fois, je vous remercie de votre attention et je vais vous rendre la parole encore une fois. Un très grand merci, Julia. Merci de nous avoir aidés à réfléchir sur les adjectifs, sur les mots radical et mystère, tels que ces mots sont utilisés dans Instrumentum Laboris, et aussi sur les questions posées à propos de cet appel radical à la conversion. Donc, encore un très, très grand merci. Et maintenant, je voudrais passer à la parole à Daniela Cannavina, religieuse argentine des Sœurs Capucines. Et elle a une licence en théologie et
Elle travaille sur la thèse de son doctorat sur le thème vie religieuse et synodalité. Elle est secrétaire générale des religieux, religieuses, conférence épiscopale. Elle va faciliter l'Assemblée générale du mois d'octobre. Donc, Daniela, tu as la parole, à toi la parole. Merci, merci. Je vous salue cordialement de Bogota, où je me trouve. En ce moment, je suis à Buenos Aires. En ce moment, nous réalisons un séminaire sur la sauvegarde et sur soins et sauvegarde. Merci de votre invitation. Alors, le thème que j'ai choisi et que je considère comme étant très pertinent, c'est un thème qui m'a frappée et que j'ai intitulé « Une communion qui rayonne ». Le mot « rayonner » me semble très fascinant. Je le considère l'une des priorités présentées dans Instrumentum Laboris qui donne le feu vert à tous les autres aspects. Donc, rayonner la communion est une invitation à jouer un rôle de témoignage prophétique dans un monde si fragmenté, éclaté, polarisé. Et cela déclenche cet engagement de cheminer ensemble avec les autres citoyens, concitoyens, dans la construction du bien commun. Cela nous frappe. Pourquoi? Parce que le mot évangile se voit à maintes reprises dans un Instrumentum Laboris, mais j'ai voulu le considérer par tant d'autres mots, c'est-à-dire lorsqu'on a le mot évangile, eh bien, lorsque ce mot figure, d'autres mots figurent qui montrent un horizon vers lequel il faut s'adresser. Donc, ces autres mots sont l'accueil, hospitalité, signe, crédibilité, inclusion, pluralité, acceptation radicale, processus spirituel de repentance, de pardon, de réconciliation dans un dialogue de conversion, guérison de la mémoire, enrichissement mutuel et réciproque, donc retrouver la proximité, interconnexion, communauté de communauté. Vivre ensemble un nouveau style relationnel de relation incarné dans la réalité, ramené à son juste contexte. Tout cela naît du mot évangile. Donc, la voie du travail mené en Amérique latine et aux Caraïbes. Donc, les pauvres sont les sujets évangéliques par excellence et deviennent donc l'épine dorsale de notre attention dont les vertèbres prennent un autre nom. Les femmes, les peuples autochtones, les personnes en vulnérabilité, en situation de vulnérabilité, les migrants, les réfugiés, les enfants, filles et garçons. Et tous ces visages nous invitent à prendre une catégorie pouvant ouvrir les portes à une belle manière d'être Église, c'est-à-dire le fait de nous penser comme une église prophétique et samaritaine. Il me semble très, très beau de voir cela dans le document. Une église sortante, écoutant donc le cri des pauvres et de la création. Cela amène à un renouveau de la mission et la réparation du tissu des relations au sein de l'église. Comme le pape François l'a dit de manière excellente lors de la dernière journée mondiale des jeunes, vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, car il y a de la place pour tout le monde au sein de l'Église. Donc, il faut aller vers les autres, donc leur offrir notre attention, nous engager. Il ne faut pas voir l'autre comme objet de charité, mais sujet de la charité à partir de sa diversité. C'est la chose la plus précieuse. La vie synodale doit témoigner d'une Église faite de personnes de communautés qui sont des sujets libres et différents. Plus que jamais, nous devons souligner le désir d'être une Église pauvre, proche de ceux qui souffrent, capable d'évangéliser par l'exercice de la proximité, de la positivité, de la polarité, de la pluralité, et qui rend la dignité. Et il y a un maître mot, un mot clé que je voudrais souligner, c'est-à-dire hospitalité.
autre mot qui figure dans l'instrumentum laboris. Ce mot nous ouvre à la grandeur, au mystère de l'autre, en nous permettant de reconnaître dans son visage la présence du mystère de Dieu lui-même. L'hospitalité nous aide à grandir dans l'engagement, la générosité nous ouvre de nouveaux chemins pour revitaliser la vie. C'est une invitation, c'est une bouchée d'oxygène au sein de l'Église. L'hospitalité nous parle de coexistence, du vivre ensemble, d'ouverture, de nous reconnaître finalement, comme il faudrait le faire, nous reconnaître que nous sommes des sœurs et frères, membres de la même famille. En ce qui concerne les femmes, qui est l'autre point, Instrumentum Laboris clarifie que lors de la première étape du synode, les thèmes de la participation des femmes, leur reconnaissance, la relation mutuelle d'aide entre femmes et hommes, la présence des femmes en gouvernance et postes de responsabilité ont émergé comme des éléments cruciaux lorsqu'il s'agit de comprendre comment vivre une église synodale, et cela doit continuer à être présent dans notre réflexion. Pas tout va se terminer par le synode. À côté de l'hospitalité, eh bien, je pense que les femmes sont le visage de l'hospitalité du style samaritain qui doit donc être présent dans le chemin de l'Église. Donc, les femmes ne doivent pas porter ailleurs leur regard et aller au-delà et faire un tour plus grand, mais doivent être prêtes à penser les blessures, à donner les droits à ceux qui ne comptent pas, à les impliquer dans le cheminement, les inviter à leur table. Voilà pourquoi la synodalité dans ce cheminement ensemble en tant que femmes au sein de la communauté nous permet de découvrir la joie de prendre soin, de nous libérer des clichés nous empêchant de vivre en toute liberté pour pouvoir donner à la société, à la communauté ce que nous sommes. Pour conclure et pour revenir au regard initial, la synodalité devra s'efforcer de, comment dirais-je, éviter de nous organiser en tant qu'organisation. Il faut retrouver la communion intime avec Dieu, la radicalité du mystère à partir la proposition évangélique de Jésus, la source d'où provient la spiritualité synodale qui rayonne dans un témoignage visible, accueillant et samaritain, c'est-à-dire une véritable conversion missionnaire. Et nous espérons que tout cela puisse ouvrir nos cœurs et nous espérons que cela n'ait pas été simplement une consultation, mais qu'on puisse vraiment être immergé dans ce cheminement et sentir que nous sommes habités par l'esprit et la racine de la foi. Un très grand merci. C'est nous qui te remercions, chère Daniela, surtout de cette invitation de nous inviter à cette réflexion sur la communion. Merci de ta vision, c'est-à-dire ce que ça veut dire l'appartenance saine des femmes à l'Église en tant que fruit d'un véritable processus synodal, comme tu viens de le dire justement. Avant de passer la parole aux autres intervenants, nous voulons écouter un témoignage d'une femme, l'une des femmes qui semble être invisible, mais qui, à vrai dire, offre un service précieux à l'Église. Alors, je voudrais passer la parole à Rosa Bonilla, qui est avec nous aujourd'hui. Adelante, Elías, me trabo. Alors, on va l'attendre. Il paraît que Rosa ne soit pas connectée avec nous. Elle n'est pas encore là. Et on pourra sans aucun doute l'écouter dans quelques instants. Alors, on va passer la parole maintenant à nos trois intervenantes qui vont laisser une question ouverte pour nous. Donc, on va continuer à dialoguer. Et maintenant, donc les deux personnes que nous venons d'écouter vont prendre des notes. Et après les intervenantes, elles vont nous donner leur point de vue. Alors, je dis à tous les participants que si vous voulez partager des commentaires
avec nous, vous pouvez les écrire dans le fil de discussion, dans le chat, et ces commentaires, ces interventions seront les bienvenus. Si on aura suffisamment de temps, on pourra revenir sur quelques-unes de ces remarques. Et en tout cas, on va tout envoyer au synode. Et maintenant, je vois que nous avons Rosa Bonita. Je m'appelle Rosa Bonilla et je viens du Salvador et je vis aux États-Unis depuis 20 ans désormais. J'ai 3 enfants. Je suis mariée depuis plus de 28 ans. J'ai vécu et j'ai grandi au Salvador, zone rurale. Il n'y avait pas de prêtre à l'époque et 2 femmes donc m'ont appris à aimer Dieu, à prier et à aimer l'Église. Ma maman et ma mamie, ma grand-mère, donc ici dans une paroisse des États-Unis, eh bien, je travaille depuis 12 ans en tant qu'assistante de la pastorale. Une partie de mon travail consiste à accompagner la communauté des paroissiens au moment de tristesse, de chagrin, de douleur. Donc, si je dois pleurer, je pleure avec mes paroissiens. Mais nous célébrons aussi la vie, nous fêtons, nous célébrons les réussites, nous partageons tout ce qui est beau dans la vie et nous célébrons la grâce d'être frères et sœurs. Alors, je vais visiter aussi les malades à l'hôpital. Je leur apporte la communion. J'apporte la communion aux malades et j'accompagne aussi leur famille. Je les prépare, je les accompagne. Lorsque les proches de famille se préparent à se séparer de leur bien-aimé, nous... Il y a des jours de la semaine où nous n'avons pas des prêtres chez nous à la paroisse. Donc, parfois, je célèbre la parole de Dieu à leur place. Donc, nous avons la parole, nous avons des lecteurs, nous avons le corps du Christ consacré. Et donc, je peux guider le peuple dans les célébrations. Alors, je pense que je ne fais rien d'extraordinaire. Tout simplement, je fais ce que bon nombre d'autres femmes font de par le monde entier Donc, nous apportons notre petite contribution à l'Église. Nous espérons que bon nombre de personnes vont se servir de ce témoignage de Rosa. Donc, c'est vraiment très beau de pouvoir l'utiliser, ce témoignage. Et maintenant, nous avons avec nous Oksana Pimenova, qui travaille en tant que directrice auprès de l'Institut de Saint-Thomas sous les auspices de la Compagnie de Jésus. Elle travaille aussi au sein de l'Église en tant que responsable de la pastorale des jeunes à Moscou. En tant que témoin du processus synodal, elle va participer à l'Assemblée synodale à Rome. Oksana, tu as la parole. Merci, bonsoir ou bonjour, ça dépend. Bon après-midi. Je vais parler en anglais, elle dit. Tout d'abord, permettez-moi de dire que c'est un plaisir que de me trouver là aujourd'hui avec vous. Je suis ravie de me trouver là, connectée avec vous pour ce webinaire. Je voudrais partager un petit peu mon point de vue ou ma perspective. Je vais faire très, très court car j'espère vraiment qu'on aura suffisamment de temps pour un dialogue. La perspective dans laquelle je trouve personnellement intéressant de regarder la question des femmes est celle de la co-responsabilité dans la mission et le ministère commun, c'est-à-dire dans la perspective du dialogue et de l'action commune. Puisque le Seigneur a créé l'homme et la femme comme des personnes complémentaires, la collaboration dans tous les domaines de la vie peut être fructueuse si les deux, l'un et l'autre, sont ouverts au dialogue. Et voient la valeur du travail en commun et savent faire des sacrifices. Or, toutes ces qualités ne dépendent pas du sexe, du genre, mais concernent en général le développement de la personnalité, la culture, de la communication.
Et là, il s'agit d'une question spécifique. Que peut-on et que doit-on faire pour développer cette culture au sein des paroisses et des communautés? Et autre question, quelles sont les pratiques positives qui existent déjà? C'est un autre côté de la même question. D'après mon expérience personnelle, il y a 5 ans, j'ai fait l'expérience de nommer une jeune femme laïque en tant que responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse. Eh bien, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, mais cela a toujours été plus fructueux lorsque le travail a été réalisé avec des personnes de genre et de statut différents, d'une manière véritablement synodale. Et c'était toujours précisément grâce à la disposition de certaines personnes et à la capacité de remarquer les dons des uns et des autres qui ont permis de remplir nos vides, nos lacunes. Lorsque nous parlons de la question des femmes, j'ai les mêmes doutes, perplexités, lorsque l'obstacle ou la raison dans la prise de décision, dans l'attribution d'un poste, etc., deviennent uniquement ou prioritairement une question de genre, surtout lorsqu'il s'agit de domaines où les connaissances, les compétences, l'expérience et certaines qualités personnelles devraient être le critère de sélection prioritaire. Par exemple, s'il s'agit de leadership, si là on parle de leadership. Il semble donc important pour moi d'être très précis quant au domaine dans lequel cette question joue un rôle essentiel et dans lequel cela joue un rôle secondaire. Je pense qu'il est très important de comprendre ce que signifient exactement les mots qui sont si souvent utilisés dans les documents synodaux lorsqu'on parle du rôle, de la participation et de la reconnaissance des femmes, parce que nous vivons tous, tous dans des contextes culturels et sociaux différents. Et je pense qu'il s'agit d'une question fondamentale que j'adresse donc à tous les participants. Donc, c'est une question avec laquelle je vous laisse. Merci de votre attention. Merci, chère Oksana. Merci d'avoir donc intégré dans le dialogue l'action conjointe des femmes et des hommes, d'avoir partagé ton expérience et d'avoir soulevé la question sur comment développer une bonne culture de la communication. Venons-en maintenant à Birgit, qui appartient à la congrégation des sœurs missionnaires. Elle est membre du groupe de conseil théologique de CELAM. Elle a participé au synode sur l'Amazonie, a fait partie du groupe qui a travaillé à Frascati sur le document pour la phase continentale. Tu as la parole. Merci, un très grand merci. Merci de m'avoir invité. C'est un don très important pour moi que de pouvoir être là. C'est un cadeau que de pouvoir entendre bon nombre de femmes qui sont fort engagées, fort passionnées et qui s'engagent dans ce processus synodal dans l'espoir que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans un processus de transformation vers une synodalité de plus en plus importante. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai voulu me pencher sur un aspect de l'instrumentum laboris. J'ai voulu axer ma réflexion sur la partie où la question est posée. Comment l'Église de nos jours peut-elle mieux remplir sa mission par une reconnaissance plus importante de la dignité baptismale des femmes? La raison pour laquelle j'ai choisi ce volet-là, c'est car j'ai eu la chance de participer à un processus d'écoute aussi bien pendant le silence sur l'Amazonie que lors de la première assemblée ecclésiale en Amérique latine et Caraïbes, tout comme lors du processus d'écoute des consultations synodales dans le contexte du synode sur la synodalité. Or, ce thème, ce sujet, c'est-à-dire de nous ouvrir au partage grâce au baptême, donc nous ouvrir hommes, femmes, faire en sorte que la transformation de notre Église devienne une réalité. Nous voulons une Église plus inclusive, laissant plus de place
plus d'espace ce que les femmes sont et ce qu'elles peuvent donner à l'Église, apporter à l'Église en tant que leur contribution. Eh bien, tout cela a été partagé dans les différents contextes, espaces, et j'ai eu le plaisir de voir combien dans le texte on souligne la dignité baptismale non seulement des hommes, mais aussi des femmes. À vrai dire, en fait, dans le baptême, tous, tout le monde, hommes et femmes, nous recevons le même esprit. Et l'ouverture à cet esprit qui souffle là où il veut et qui nous surprend par sa nouveauté, est un thème spirituel qui est très proche de nous en Amérique latine. C'est une source d'inspiration pour bon nombre de personnes dans le cheminement synodal. Pour cette raison-là, il me semble important, donc la première phase du synode me semble de toute première importance, et surtout le rôle important de l'Esprit Saint qui a été reconnu. Donc, il faut reconnaître ce rôle important de l'Esprit Saint. Il me semble aussi important de souligner ce que le théologien Kiel appelait l'égalité pneumologique. L'Esprit forme au sein de l'Église une communauté où tout le monde, frères et sœurs en Christ, ont la même dignité, le même rang devant Dieu. Et tout le monde participe de la mission réelle, prophétique, sacerdotale de Jésus-Christ. Or, cela implique une ecclésiologie synodale qui met en valeur et valorise davantage les dons et les charismes de l'Église que Dieu lui-même octroie aux femmes pour le bien de l'Église tout entière. Donc, c'est leur mission au sein de l'Église en écoutant la clameur des peuples de la terre, en répondant, en guérissant, en étant une présence pour apporter une nouvelle vie, vie nouvelle. Or, cela ouvre également un horizon ici en Amérique latine. C'est l'horizon du processus d'écoute, mais la question de la création maintenant, de nouveaux ministères dans lesquels les femmes jouent un rôle, et il y a aussi la question du diaconat permanent pour les femmes. Il y a un nombre important, non seulement de femmes, mais aussi d'hommes en Amérique latine qui demandent cela, d'arriver à cela. Bon nombre de femmes vivent dans bon nombre de communautés en Amazonie, en d'autres contextes urbains, ruraux. Donc, les communautés demandent cela car elles se rendent compte de l'importance de ce témoignage et de ce travail des femmes au sein de l'Église et combien leur témoignage est fondamental. Et dans l'Instrumentum Laboris 2b.3, il est dit que dans une église véritablement synodale, il faut reconnaître la dignité baptismale des femmes et il faut lutter ensemble contre toute forme de discrimination et d'exclusion. Et il est dit également, avec justesse, que les femmes sont victimes de cette discrimination, pas seulement au sein de l'Église, mais dans la société. C'est ce que nous avons collecté grâce aux nombreuses voix de femmes et d'hommes en Amérique latine et Caraïbes. Certes, il s'agit de surmonter le cléricalisme. Il faut se souvenir des mots du pape François dans sa lettre au cardinal Ouellet en 2016, où il dit que le cléricalisme a tendance à réduire et enlever de la valeur à la grâce baptismale que l'Esprit a accordée aux gens. Et donc, le cléricalisme réduit la valeur prophétique que l'Église est appelée à témoigner, dont l'Église est appelée à témoigner. Malheureusement, on n'a plus suffisamment de temps. Est-ce que tu veux nous laisser avec une question qui nous permette de poursuivre la réflexion? Oui, je pense que compte tenu de tout cela, une question qui est fort présente étant la suivante, c'est-à-dire il faut repenser et donc
intégrés dans la formation des séminaristes et dans la formation permanente et continue des prêtres, ces réflexions pour qu'il y ait de plus en plus de prêtres avec une attitude synodale. Merci, merci beaucoup de cette vision qui est fondamentale dans l'Instrumentum Laboris. Et un très grand merci aussi de cette question que tu nous poses, la formation des séminaristes pour une église synodale pour battre le cléricalisme qui fait beaucoup de mal, comme le pape François le répète depuis le début de son pontificat. Merci, Virgin, de ton intervention. Et maintenant, l'ancienne, donc la prochaine intervenante est membre de l'UMOFC, co-responsable du synode national et continental du Canada. Et elle a contribué à préparer le document pré-synodal. Merci. Merci. J'apprécie de beaucoup ce qui vient d'être dit, surtout ce que Julia vient de dire à propos du mot « radical ». J'ai beaucoup apprécié cet mot très important, cet mot qui mérite un approfondissement. Je pense que c'est l'un des mots qui nous frappe et nous arrive au cœur. Donc, la radicalité doit être… Alors, je crois que l'un des thèmes les plus évidents en tant que femmes au sein de l'Église, nous devons promouvoir une Église attrayante. Daniel a utilisé un mot très important, rayonner. Merci, merci de l'avoir utilisé. Comment pouvons-nous faire en sorte d'avoir une Église rayonnante? Au cours de la phase continentale, nous avons entendu d'une part de nombreuses femmes qui estimaient que la voix des femmes devrait être davantage prise en compte et appréciée, en particulier lorsqu'il s'agissait de questions relatives au rôle de direction, à la prise de décision, aux appels à l'ordination de femmes en tant que diacres et même prêtres. Il était également très clair et à la fois largement et bruyamment noté, si vous voulez, que de très nombreuses femmes et leurs problèmes désespérés ont été signalés au même titre que d'autres minorités, les défavorisés, les pauvres, les démunis, tout ce qui se trouve à la périphérie. Nous avons entendu parler des femmes des deux extrémités du spectre, si vous voulez, qui avaient besoin d'une attention et d'une considération particulière pour leur situation. Le cléricalisme est souvent cité lorsqu'il s'agit d'aborder le manque de progrès pour les femmes dans les rôles de direction. En ce qui concerne le document B2.3, je me réjouis que l'une des priorités de l'Assemblée synodale soit d'aborder non seulement les joies et les tensions, mais aussi les possibilités de conversion et de renouveau et la manière dont les relations entre les femmes et les hommes sont vécues. Lorsque nous parviendrons à une véritable reconnaissance de la dignité baptismale des femmes, nous serons sur la bonne voie pour mettre fin à la discrimination et l'exclusion de bon nombre de personnes. Il s'agit là, à mon sens, de la première étape essentielle pour la croissance d'une Église accueillante et inclusive. Et donc, maintenant, j'en viens à ma question, la question que je voudrais vous poser. Donc, à propos de ce que Oksana vient de dire, à propos du cléricalisme, comment aborder le rôle des femmes de manière à prendre en considération les plus faibles, les plus vulnérables, tout en nous efforçant d'obtenir une juste appréciation des femmes dans tous les domaines de la vie, à la fois de manière équitable, en particulier au niveau de la prise de décision. Comment faire en sorte que les hommes et les femmes puissent être sur un pied d'égalité. Merci, Barbara, de ta contribution. Merci d'avoir apporté à notre attention des aspects fort importants de l'Instrumentum Laboris et tout ce qu'a dit à propos des autres interventions qui t'ont précédé. Et maintenant, le moment est venu
d'ouvrir la session questions-réponses. On vous demande d'apporter votre contribution 3-4 minutes, pas plus que ça, tout d'abord à Daniela et ensuite à Giulia. Je ne veux pas vous couper la parole, donc je ne veux pas être méchante. Donc, on va commencer par Daniela. Daniela, vous avez la parole. Oui, je vois beaucoup de questions. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on veut être complet. Alors, sur la base de ce que je viens d'écouter, il est important de souligner l'importance de la co-responsabilité, la valorisation mutuelle et réciproque, car tout doit être réciproque et mutuel. Je ne sais pas. Le thème de l'hospitalité me semble être important. Il faut continuer à réfléchir, donc apprendre à nous accueillir les uns les autres, car la méthodologie synodale part de l'égalité étymologique dont Virginia parlait. Et je voudrais ajouter une ecclésiologie synodale de la reconnaissance mutuelle et réciproque. Sans ce pas, il sera impossible de poursuivre. Pas impossible, mais je dirais plus difficile. Et maintenant, je voudrais ajouter une phrase de la théologienne Silvia Cano qui m'a beaucoup frappée. Elle dit que le thème des femmes ne doit pas se baser uniquement sur le fait d'impliquer, de nous impliquer en tant que témoins dans certains postes de coordination, car il n'est pas suffisant d'être l'une parmi tant d'autres. Cela me semble être vraiment très, très beau. Vous avez dit à maintes reprises, vous avez parlé de B2-3 d'Instrumentum Laboris, mais il y a quelque chose de plus dans ce B2-3 qui peut nous aider à nous nommer lorsqu'il est dit que l'Église doit être un lieu de croissance, de participation active et d'appartenance saine pour toutes les femmes. Donc, bref, il s'agit de reconnaissance. Donc, c'est ça l'ecclésiologie dont nous avons besoin et qui fait défaut, une ecclésiologie de la reconnaissance. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, vous avez la parole maintenant. Merci, Daniela. Merci, Lia. J'aurais quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Alors, tout d'abord, je remercie les intervenantes de leurs réflexions. Le mot cléricalisme, les évêques ont une catégorie particulière dans leur formation et lorsqu'il s'agit de répandre peut-être cette mentalité. Je dis cela parce que j'ai eu une expérience fort positive dans mon travail avec un évêque, l'évêque Florence aux États-Unis. J'en ai parlé avec lui, j'ai parlé de cette dynamique et je lui ai dit pourquoi les choses sont ainsi arrivées à ce point. Et donc, il m'a dit qu'il veut plutôt songer aux gens. Et bon nombre d'évêques ne le font pas, surtout aux États-Unis ces 28 ou 30 dernières années. Or, le fait de s'approcher des personnes n'a pas été sûr à cause de tous les scandales et ce qui s'est passé dans l'Église. Donc, je voudrais souligner le rôle de l'évêque, la manière dont il pense devoir prendre soin du peuple qui lui a été confié, des personnes qui lui sont confiées. Cela est très important. Et comme Daniela le dit, autre chose importante, il ne s'agit pas simplement d'assurer une participation, un rôle aux femmes, mais c'est plutôt une question de reconnaître la vocation, c'est-à-dire comment les femmes, lorsqu'elles expriment une vocation, sont-elles accueillies au sein de l'Église? On a parlé de beaucoup des personnes qui ne se sentent pas suffisamment reconnues dans leur vocation et elles ressentent un appel de la part du Seigneur pour faire quelque chose au sein de l'Église, mais cela n'est pas accueilli de manière acceptable. Très souvent, cela n'est pas reconnu. Donc, je dirais que c'est mes réflexions majeures que je tenais à partager avec vous. Merci.
Merci beaucoup, Julia. Nous apprécions et de beaucoup ce que tu viens de nous dire. Maintenant, nous avons une autre vidéo parmi les multiples vidéos que vous trouvez sur notre site. C'est un nouveau témoignage, de femme qui était invisible jusque-là. Nous avons Laura Bicugna avec nous. C'est un témoignage de l'Amazonie. J'appartiens à la congrégation des franciscaines catéchistes. Je vis dans l'Amazonie brésilienne et le service que je rends au peuple de Dieu, eh bien, je pourrais le raconter au travers de trois trajectoires. Tout d'abord, j'ai appris que l'Église est le peuple de Dieu. Avec ma maman et d'autres femmes au sein de l'Église, j'ai vu l'Église devenir dynamique grâce à ma maman et d'autres femmes. Alors, j'ai appris qu'être l'Église, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, sans distinction de race, de genre. Un autre élément dans cette trajectoire de service au peuple de Dieu a été lorsque je vivais à Acre et je servais le peuple de Dieu là-bas. Il y avait des prêtres qui célébraient les sacrements, mais très souvent, il y avait bon nombre de difficultés là-bas et il n'y avait pas de ministre ordonné pour qui donnait l'exemple pour servir d'exemple de pardon pour les confessions. Et on était là pour assurer notre présence et donc apporter la bonne nouvelle. Donc, ce que ce type d'expérience pourrait se définir, se qualifier de diaconat, c'est-à-dire un service consistant à être présent au peuple autochtone pour défendre leurs droits à la terre. Et donc, je dirais que le diaconat est un service pour défendre la vie, la terre et pour protéger les peuples autochtones qui sont menacés. Ce sont parmi les plus menacés, parmi toutes les, tous les peuples, comme il est dit. Les peuples autochtones sont les plus pauvres parmi les pauvres. Ils sont pauvres parce que leurs terres ont été accaparées par d'autres. Et donc, leurs communautés ont été frappées, attaquées. Et comme le dit le document final du synode, ce sont des peuples qui continuent à lutter contre tout mal. Et le diaconat consiste justement dans à rendre ce service au peuple autochtone que j'assure depuis 23 ans pour l'Église au Brésil. Merci. Nous remercions Laura Bicugna de son diaconat. Et maintenant, on va écouter quelques commentaires de la part du public. Comme si on jouait au tennis de table, je vais lire un commentaire. Et en une petite minute, les intervenantes peuvent dire leur point de vue. Donc, la première qui va lever sa main aura la parole. Tout simplement ça, c'est un petit ping-pong. Alors, premier commentaire venant de l'Espagne, Araceli, qui dit « J'étais frappée par le témoignage de Madame Bonilla dans les cadres où je travaille. Donc, on a peur que les laïcs puissent participer à la célébration de la parole. Donc, il y a une crise de prêtres, une crise importante. Les prêtres ont un âge moyen,
importants. Parfois, ils sont âgés. Ils ne peuvent pas prendre soin de bon nombre de paroissiens, de paroisses. Qui voudrait faire un commentaire à propos de ce témoignage de Rosa? Personne ne le veut. Alors, je vais passer à un autre commentaire. Myriam, qui dit, lorsqu'on nous dit que la liturgie nous rapproche du mystère, la formation, est-ce que la formation pourrait aider à ce qu'ils participent, leur permettant de comprendre les gestes, les signes? Est-ce que la formation serait positive pour la conversion et donc la communion en tant que peuple qui marche ensemble devient plus forte à chaque rencontre liturgique? Donc, le thème étant la liturgie et le cheminement synodal. Qui désire donc faire un commentaire ou dire quelque chose à ce propos? Si vous voulez bien, levez votre main, je vais vous donner la parole. Alors, je vais donc passer à une question. Alors, voyons si vous voulez répondre. Maria del Carmen Mateo pose la question suivante. Est-il possible d'avoir une église synodale à l'heure actuelle sans tenir compte du droit canonique? Eh bien, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est sans tenir compte du fait qu'il faut changer le droit canonique. Alors, moi, je crois que oui, je sais que sans aucun doute, forcé de réviser le droit canonique et se rappeler que ce droit doit être au service d'une église marchand et non vice-versa. Donc, une révision s'impose, mais aussi un renouveau, une refonte s'impose. Il faut changer le droit canonique pour favoriser la vie et la pratique, une pratique courante de la synodalité. Merci. Qui encore voudrait ajouter quelque chose à propos de la réforme du droit canonique? Car sinon, je vais passer à une autre question, si vous voulez bien. Cette question s'adresse à une personne, cette question. Alors, je l'ai perdue, elle dit. Alors, voici, je l'ai retrouvée, elle dit. Alors, voici la question. Donc, c'est une question pour Barbara. Quel ministère devrait être exploré, promu au Canada? Donc, l'usage de l'euthanasie, est-ce qu'on cela nous est imposé? Est-ce que tu penses que travailler avec le clergé, la hiérarchie de votre Église pour développer davantage le ministère de guérison impliquant les hommes et les femmes, est-ce que cela pourrait nous aider à dépasser le cléricalisme? Je ne suis pas trop sûre d'avoir tout compris, elle dit. Mais lorsque on peut travailler en collaboration avec les évêques dans tous ces cadres, donc le résultat sera toujours très utile lorsqu'il s'agit de contrer le clicarisme. Eh bien, je pense que la question étant quel ministère, car j'ai perdu une partie initiale. C'est la partie initiale de la question que je n'ai pas attrapée. Donc, c'est en ligne avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la question étant si la collaboration dans ces cadres d'activité, la collaboration entre hommes et femmes impliqués dans le ministère de guérison. Or, sur la base de mon expérience fort limitée au Canada,
Nous avons eu la chance d'avoir des évêques, des archevêques qui respectent le rôle des femmes dans l'Église et qui nous ont accordé beaucoup de chance de nous mettre au service dans plusieurs postes au sein de l'Église. Mais il faut partir de la paroisse avec les laïcs qui peuvent prendre sur eux la responsabilité et qui, qu'ils le veuillent ou pas, est-ce qu'ils sont ceux qui promeuvent le cléricalisme? Donc, il faut discuter de cela à partir de l'Église locale pour passer aux évêques diocésains locaux. S'il y a un évêque ouvert qui veut participer à ce type de dialogue, ce serait très important, comme Julia l'a dit elle aussi. Il est très important de cultiver davantage ce type de relation justement avec nos évêques. Autre question, est-ce que vous pouvez dire quelques mots davantage sur l'Église et le diaconat des femmes? Est-ce que vous prévoyez que cette question va émerger de manière importante et de plus en plus au cours du synode? Et les femmes, quelle position peuvent-elles prendre sur ce discours-là? Birgit? Alors, je peux dire, mais tu peux parler en espagnol si tu veux bien. Oui, effectivement, en Amérique latine et aux Caraïbes, il y a un intérêt grandissant, pas seulement grandissant, mais je dirais un très grand désir de la part des hommes et des femmes demandant à ce que les femmes puissent accompagner les communautés, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui accompagnent et qui prêtent des services fondamentaux pour prendre soin des familles, des ménages de la terre, pour qu'elles puissent être ordonnées et recevoir donc le diaconat des femmes. Alors, vous avez écouté, Laura, en Amazonie, bon nombre de femmes, du point de vue pratique, vivent ce service du diaconat, ce service que Vatican II a nommé diaconat permanent. Bien sûr, elles ne peuvent pas célébrer les sacrements, mais bon nombre d'évêques d'Amazonie délèguent aux femmes aussi la célébration des mariages, du baptême, car il n'y a pas de prêtre. Donc, c'est un moment précieux, non seulement à cause du manque de prêtres, mais aussi car cette nécessité a mis en marche tout un processus et a fait en sorte que les femmes deviennent conscientes de ces dons. Elles vivent déjà ce service en tant que diacre, ce service du diaconat. Donc, il faudrait réfléchir sur cette possibilité d'accorder le diaconat aux femmes. Donc, nous nous enchaînons vers la conclusion de ce dialogue fécond en citant les mots de la sœur en passant la parole à sœur Nathalie et à Monica, un très, très grand merci, un très grand merci à vous toutes de vos contributions, de tout ce que vous avez partagé avec nous. Et je suis tout à fait convaincue que la manière dont ces webinaires ont été organisés, c'est pour montrer vraiment que c'est des signes de synodalité. Alors, pour conclure, comme on l'a déjà dit, on a mis au centre, au cœur de ce processus synodal et de ce défi de devenir de plus en plus synodaux, la prière, la spiritualité. C'est le Christ qui nous réunit autour de lui. C'est l'Esprit Saint qui va continuer de nous guider pour qu'on puisse trouver le chemin pour bâtir davantage ensemble. Et le fait que le synode, le cheminement qui va nous conduire à l'Assemblée, va démarrer le 30 septembre, est très significatif. Il y aura une veillée de prière œcuménique à Saint-Pierre et ce sera diffusé
en direct. C'est pour rendre visible le fait que la prière et ce cheminement œcuménique est vécu comme un appel pour nous en tant qu'Église pour pouvoir construire de plus en plus d'unité et davantage d'unité. Donc, ça devient un instrument aujourd'hui pour une Église de l'unité. Donc, vous êtes toutes invitées à prier avec nous, à vous unir dans la prière avec nous. Et donc, on va confier à l'Esprit Saint notre participation au synode pour celles qui peuvent venir. Vous êtes les bienvenus à Place Saint-Pierre de 5h à 7h le 30 septembre. Ce sera diffusé sur les canaux du Vatican, sur les médias du Vatican. Et donc, tout le monde va nous suivre des quatre coins de la planète. Les jeunes sont surtout invités venir à Rome pour cette prière. Cette veillée œcuménique sera partagée et verra la participation et l'implication de 12 leaders d'autres églises. Donc, le patriarche Bartholomé, l'archevêque Justin et bon nombre d'autres leaders religieux qui vont participer, les évangéliques, les baptistes, les méthodistes. Donc, ce sera vraiment un moment important, un moment historique, je dirais, à mon avis personnel. Nous voulons vraiment poursuivre ce cheminement en ayant tous les chrétiens unis dans le baptême pour exprimer donc cet appel à l'unité dans la diversité. Merci. Si vous désirez continuer votre réflexion, sur notre site web, vous avez bon nombre de ressources disponibles. Donc, vous aurez toutes ces ressources qui sont montrées à l'écran disponibles pour votre préparation. Donc, un très grand merci de cette occasion pour faire ce cheminement ensemble. Merci, Sœur Nathalie. Merci, Monica. Sans aucun doute, l'Esprit Saint a été tout à fait présent et à l'œuvre parmi nous. Nous voulons vraiment remercier Dieu. Combien d'idées, combien de lumière, combien d'espérance, combien d'amour pour l'Église. Alors, nous poursuivons, continuons, allons de l'avant. Le cheminement à emprunter est long, il faut poursuivre. Et maintenant, je vous invite au prochain webinaire, séminaire que nous avons prévu avec des intervenantes différentes. Le prochain sera demain, jeudi 14 septembre, de 9h à 10h30, heure de Rome. Et jeudi 14 septembre, demain, de 2h30 à 4h de l'après-midi, toujours heure de Rome. Ce sera intéressant. Ce sera un échange fructueux, intéressant, et on vous invite également au mois d'octobre avec le Forum international de l'action catholique. Nous préparons un cycle de rencontres intitulé En marche avec le synode, et on va inviter certaines des participantes au synode avec des journalistes. Il s'agira de 3 webinaires le soir. Avec ces personnes qui seront en 4 langues, ces webinaires, tout comme aujourd'hui. Donc, on serait très contente de pouvoir compter sur votre présence. Or, sans aucun doute, ce webinaire a été enregistré. Vous pouvez le retrouver sur le canal YouTube. Je ne sais pas si vous pouvez écrire le canal dans le fil de discussion. À partir de la semaine prochaine, vous pourriez trouver l'original. On ne peut pas avoir toutes les traductions, mais pour celles qui n'ont pas écouté, vous trouvez l'enregistrement sur YouTube. Merci et que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. On va se retrouver bientôt. Un très grand merci à toutes et tous.
Nos despedimos así, en tiempo, en hora, y mil gracias, abrazamos a cada una de las Donc, on va vous saluer, on est à l'heure, et nous remercions chacune d'entre vous. Merci d'avoir consacré votre temps pour celles qui le désirent. Demain, on va se retrouver avec un autre groupe extraordinaire de femmes. À demain, au revoir, à demain.